Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue ici sur le plateau de la télé du Salon. On est le lundi 6 décembre 2021, il est 17h01. On est en direct donc pour ce dernier jour du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, 37e édition. On est en direct depuis Montreuil, en Seine-Saint-Denis, dernier jour du Salon et donc aussi, malheureusement, dernier jour de cette télé et dernier numéro de cette émission On Air. Le Prime, pour m'accompagner comme à chaque fois, Sylvie Vassallo est là. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Directrice, je le rappelle, de ce Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Alors, on va avoir une surprise à la fin de cette émission. Restez bien avec nous. On va également faire un détour par une des librairies partenaires du Salon. Et puis, dans la deuxième partie, gros plan sur Lucie Félix, elle qui a remporté ce titre prestigieux remis par le Salon. Elle est la Grande Ours 2021 et elle sera sur ce plateau en compagnie de notre journaliste Raphaël Bott pour une interview. Et comme à chaque fois, on retrouve pour nous accompagner dans cette émission une illustratrice, un illustrateur en l'occurrence, Thomas Bass. Bonsoir. Bonjour. Bonjour, ça tout va? Tout va bien, bien installé? Super, c'est parfait. Vous partez sur quoi? Ambiance Montreuil, Salon du Livre, c'est d'actualité, la pluie et la fin du salon et la thématique du nous. Ok, ben on va vous suivre tout au long de cette émission, évidemment, avec grand plaisir. On va vous suivre dans votre dessin. Peut-être que les échanges sur ce plateau vont vous inspirer en compagnie de vos invités, Sylvie. Oui, alors c'est le dernier temps complice avec quelques-uns des partenaires principaux de notre salon. Et puisque j'évoque les partenaires, je voulais rappeler, saluer les 500 librairies et bibliothèques qui se sont mobilisées cette année d'Agen à Marseille, en passant par Toulouse, Valence et partout en France et sur les territoires d'outre-mer et même en Belgique. Ces 500 partenaires qui ont accompagné le salon cette année en adoptant un petit bout de notre programme. Un immense merci à eux, c'est un joli rayonnement qui est offert à la littérature de jeunesse. Avant de présenter nos complices du jour, je vous propose un petit tour lexical commencé mercredi. On est allé du côté du dictionnaire général Larousse, du dictionnaire des synonymes, du dictionnaire étymologique, pour ausculter ce mot de 10 lettres, ce joli mot de partenaire. Et pour terminer ce tour, je suis allée regarder du côté de mon premier Larousse, au sens littéral du terme, parce que c'est mon premier livre d'enfance que j'ai racheté ici au salon il y a 20 ans. Voilà, juste. Un petit moment vintage. Voilà, l'année où j'en suis devenue directrice. Donc c'est un dictionnaire que j'affectionne particulièrement. Alors dans ce dictionnaire, mon premier Larousse, on ne trouve pas le mot partenaire, mais on trouve des mots tout proches, partager. Et à partager, il est indiqué « Maman a partagé la galette en 8 morceaux, elle a fait 8 parts ». Je ne crois pas que nous allions ici ni partager la galette, ni partager la galette de la littérature de jeunesse, mais peut-être ensemble la cuisiner la plus grande et la plus goûteuse possible pour l'offrir au plus grand nombre d'enfants, de familles et de jeunes. Je le dis parce que ici, avec nous, nous avons deux partenaires qui interviennent sur l'ensemble de la chaîne du livre. Régine Atchondo, bonjour. 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 Vous êtes présidente du Centre National du Livre et c'est un établissement public extrêmement important pour toute la profession puisque votre action soutient l'ensemble de la chaîne du livre, des auteurs jusqu'au lecteur, dans une grande cohérence. Et c'est à ce titre d'ailleurs que vous soutenez un certain nombre de nos actions. On va y revenir. Florence Portelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la région Île-de-France, chargée de la culture, qui est
région qui est également engagée des éditeurs, des auteurs jusqu'au lecteur dans la chaîne du livre. On va y revenir sur le territoire national. Oui, vous allez nous expliquer évidemment vos rôles, notamment aux enfants. On va essayer de faire un peu de pédagogie tout à l'heure, mais on commence comme à chaque fois avec la question flashback. Exactement. Donc on a un petit pouvoir ici, c'est celui de se téléporter en enfance. Pour dialoguer avec les enfants d'aujourd'hui, on vous a demandé quel enfant vous étiez. Régine, en plus, vous avez fait un immense plaisir de nous envoyer une photo pour illustrer l'enfant que vous étiez. La voilà, une enfant joyeuse, manifestement. Oui, 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 une enfant joyeuse dans une famille joyeuse. Et vous aimiez lire ? Et j'aimais lire, mais ma famille était plus sportive qu'elle n'était, à proprement parler, passionnée par la littérature. Mon père était international de rugby, donc j'ai passé beaucoup de temps dans les stades de rugby et dans les cars qui accompagnaient l'équipe. Mais j'aimais beaucoup lire et j'avais quand même des livres à la maison, mais moins que certaines de mes amies qui avaient des véritables bibliothèques déjà enfants. Et vous vous souvenez le premier moment, le premier déclic avec le livre ? J'écoutais en boucle et en le lisant. C'est pour ça que ça me faisait penser au petit robot que vous nous avez montré tout à l'heure, la petite fille aux allumettes, qui me faisait beaucoup pleurer. Et puis, j'ai découvert aussi et adoré les Pères Castors. Alors, vous allez avoir une petite surprise tout à l'heure. D'accord. Les petites filles modèles, toutes ces séries-là, c'était très classique. Juste on précise, hein, pour ceux qui n'ont pas compris, le robot c'est Looping, hein, c'est ça, oui, c'est qui ça, est ça, présent ici sur le salon et qui permet aux enfants de découvrir d'une manière un petit peu différente les livres. Et vous, Florence, quel enfant étiez-vous ? Je pense que j'étais curieuse, mais en même temps je restais dans mon monde secret et je suis née dans les livres parce que en fait mes parents au début étaient un peu fauchés. Et du coup, le lit était dans la bibliothèque de mon papa, dans son bureau. Et comme il était professeur de sciences politiques, il avait des livres de droit, de sciences politiques, de philosophie partout au-dessus de moi. Ah, un régal. Alors, pour un enfant, on imagine. Un régal pour un enfant. Et après, c'est vrai que je suis tombée dans le chaudron, mais de manière un peu pathologique. C'est-à-dire qu'à 5 ans et demi, j'ai lu Les Contes du Chat Perché et de Marcel Aimé. Et ça a été un tel choc de lire que je ne pouvais plus m'arrêter et la nuit je continuais à lire et mes parents étaient obligés de couper les plombs parce que je me relevais pour lire et il y avait une petite salle de bain à côté de ma chambre et j'allais lire à la clarté de la lune et se demandaient le matin pourquoi j'avais les yeux cernés alors que j'étais petite et ça a été le début d'une addiction pire que l'addiction au chocolat et les livres ne m'ont jamais quittée. Voilà, vous êtes toutes les deux la preuve vivante du fait qu'on construit son rapport à la lecture, à la littérature sur le long cours, mais que les premiers chocs d'enfance sont des chocs importants. C'est ce que nous faisons ici avec votre soutien au salon. Avant d'aller un peu plus loin, je crois qu'on va faire d'abord un détour vers la librairie et puis on revient avec vous. Exactement, vous en avez pris l'habitude dans On Air le Prime. On prend le temps d'aller à la rencontre des libraires partenaires du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. On va où, Sylvie, tout de suite ? Alors, on va dans une librairie qui est à Marseille, la librairie, Pantagruel. On regarde. Alors, je vais vous présenter La Danse des Flammes de Anaïta Etéarndi, illustrée par Clémence Monet, qui a été publiée cette année aux éditions de l'Étagère du Bas. Il s'agit d'un album qui traite de la réconciliation des peuples et de la fin de la peur de l'autre, l'autre étant bien entendu différent. C'est l'histoire d'un couple, Braise et Flamme, qui vivent un petit peu à l'écart dans la forêt, paisiblement, loin des rumeurs et des mauvaises pensées des villageois. Et au moment où leur enfant, un petit Renardo, va naître, c'est naturellement qu'ils vont le laisser découvrir cette forêt en toute liberté. Un beau jour, il va rencontrer une petite fille blessée qui n'arrive pas à rentrer chez elle. Et bien entendu, il va la raccompagner et permettre ainsi cette rencontre entre les peuples et cet apaisement. Vous verrez que cet album est illustré magnifiquement avec des aquarelles qui nous invitent vraiment à la poésie dans un monde très onirique et
Il s'agit d'un album qui renoue un petit peu avec le mythe des sorciers et qui permet, dans lequel c'est véritablement l'amitié et la magie qui va permettre l'apaisement. C'est un magnifique album, un gros gros coup de cœur à la librairie. Voilà pour vous donc un nouveau conseil lecture pour la maison. On va aller peut-être jeter un coup d'œil du côté de notre illustrateur Thomas Bass. Est-ce que tout va toujours bien ? Super. Donc là, on est dans Montreuil, c'est ça ? On est dans Montreuil, tout à fait, ça avance. Ok, ben on continue de vous suivre, bien évidemment. Retour en plateau avec Régina Tchondo, présidente du Centre National du Livre, et Florence Portelli, vice-présidente de la région Île-de-France, chargée de la culture. On va rentrer maintenant dans vos rôles de partenaires. Oui, alors Régine, en quelques mots, le Centre National du Livre, c'est une sorte de monument quand même, parce que c'est un établissement qui s'occupe de beaucoup de choses. Si vous deviez le décrire plutôt en direction des enfants, pour leur simplifier l'accès à cette information, comment le décririez-vous ? Pour les enfants, je dirais que c'est de l'argent public, donc qui appartient à tous, qui est distribué à des auteurs, à des traducteurs, à des éditeurs, ceux qui prennent le risque d'imprimer, d'éditer et de vendre un livre, à des librairies, à des festivals comme celui-ci de littérature, et aussi, plus récemment, une maison qui doit s'interroger sur tout ce qu'il faut que l'on fasse d'intelligent pour que les enfants et envie de lire. Et alors cet argent, tout cet argent qui est distribué, en fait, comme vous êtes en train de l'indiquer, vous êtes attentif à ce qu'on appelle dans notre métier la chaîne du livre, hein, tous ces éléments, tous ces maillons. Cet argent, il évidemment, c'est pas vous qui décidez toute seule. Comment ça fonctionne ? Heureusement, non, c'est des commissions qui se réunissent et qui effectivement représentent tous les métiers du livre, tous les gens qui travaillent pour le livre et qui décident s'ils vont aider l'auteur à partir de un auteur à partir de, d'un projet qu'il aura écrit, qui vont décider les livres dont on va aider la traduction, soit pour qu'ils puissent être vendus à l'étranger quand ce sont des livres français, soit pour qu'ils soient traduits en français lorsque ce sont des livres étrangers, écrits dans une langue étrangère. Et pour les librairies, pour les éditeurs, pour les festivals, ce sont des professionnels qui se réunissent et qui décident si l'on doit aider ou pas, en fonction des caractéristiques. Et alors cette année, il y a pour vous, pour cette maison commune du livre, qui est le Centre National du Livre, un véritable enjeu, puisque le président de la République a déclaré cette année que la lecture était une grande cause nationale. Qu'est-ce que vous avez préparé de particulier à cet égard ? On a préparé un grand plan pour que les auteurs et les traducteurs puissent être accueillis dans des écoles, des collèges, des lycées, des crèches, mais aussi, pourquoi pas, des entreprises ou des hôpitaux, et qu'ils puissent recevoir un salaire et une partie du temps qu'ils ont, et pour eux-mêmes, pour leur écriture, et une partie du temps pour expliquer leur métier d'auteur, parler de l'imagination, de une mise en rencontre, une rencontre, une rencontre. Et notre fil rouge, au fond, c'est d'essayer de glisser un livre partout où on le peut, et de travailler dans des endroits où on s'attend pas à rencontrer un livre ou un auteur. Voilà. Avec, je crois, une grande, on verra ça tout de suite au début de l'année, puisque vous avez également imaginé dans cet esprit une grande campagne de communication pour inviter à la lecture. Tout à fait, sur le plaisir de lire et surtout la liberté et le fait qu'on peut faire comme on veut, qu'il ne faut pas se sentir obligé. Voilà, ce qui est une vraie question pour la lecture. Florence Portelli, vous agissez à l'échelle d'une grande région, la région Île-de-France, une région où il y a de vastes enjeux aussi sur la question du livre, alors de façon différente, mais la région intervient également comme ça à toutes les échelles de l'économie du livre ? Oui, mais même à toutes les échelles de ce que peut vivre un écrivain, j'allais dire, ou un poète, enfin un auteur de texte, c'est-à-dire de la création, pour m'adapter au public des enfants au moment où c'est dans la tête, ou vaguement dans la tête, ou un bout de rêve de livre, et puis le moment où c'est vendu et diffusé.
Donc on soutient bien évidemment les créateurs, on soutient également les artistes pour qu'ils puissent être connus, pour qu'un public puisse être intéressé, donc avec énormément de résidences d'écrivains, en favorisant aussi la rencontre avec les lycéens. Parce que ce qui est intéressant, c'est que souvent les petits ont conscience de ce que peut être un écrivain, et plus on grandit, plus ils ont l'impression que c'est quelque chose de lointain, ce qui est un peu curieux, une sorte de régression. Donc on fait venir des écrivains en résidence dans les lycées, on fait des lectures à voix haute, ça c'était une idée de Valérie Pécresse, elle a fait aussi des leçons de littérature avec des écrivains qui viennent faire donc des leçons, avec des enfants parfois qui disent « je croyais que les écrivains étaient tous morts », donc c'est important de rappeler que non, on a tous les ans une très bien grande vivant. Et très riche et très belle rentrée littéraire. Voilà, pour en être totalement sûr, les toucher, il y a le Salon du Livre aussi tout et de la fait, presse voilà. Jeunesse pour être bien on sûr soutient, qu'ils sont bien là. Qu'on soutient d'ailleurs, qu'on donne un financement. On donne aussi, il y a le prix littéraire des lycéens, il y a la quinzaine de la librairie. Donc tout ça, c'est sur tout ce qui est résidence et création. Et dans l'investissement, eh ben, on va soutenir des librairies pour qu'elles se construisent, pour qu'elles se renforcent, ou des médiathèques. Des bibliothèques municipales. Donc vraiment, toute la chaîne du livre va être financée, aidée, mais ce n'est pas que de l'argent. C'est aussi la mise en valeur et la permettre des rencontres et permettre de voir que ça peut faire partie du quotidien, que ce n'est pas quelque chose de lointain. Et ici, vous soutenez quelque chose qui est très important pour nous tous, vous soutenez le grand marché de la petite édition qui permet voilà, à des éditeurs indépendants, souvent de petite taille, d'exister dans ce marché du livre, ce qui n'est pas forcément aisé pour eux. Et puis quelque chose auquel on tient beaucoup, une rencontre autour des littératures graphiques avec le forum des lycéens. Voilà. Tout à fait. Et c'est vrai que l'édition indépendante, petite édition indépendante, alors je dis aussi aux enfants, c'est pas petit dans le sens c'est moins intéressant qu'une autre. Au contraire, parfois ils sont même peut-être plus imaginatifs. Et c'est vraiment important justement de soutenir tout le monde. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Mais à la fin, à la ligne d'arrivée, il peut y avoir des joyaux. Et pour nous, c'est quelque chose de fondamental. Voilà, c'est quelque chose qu'on voit ici. Les rencontres se sont passées. Ce forum des lycéens dont on parlait tout à l'heure a eu lieu ici. Voilà, ils ont rencontré des auteurs en classe, des éditeurs également qui sont venus parler de leur travail. Et ici, il y a eu un grand moment très, très fort de rencontres autour des lettres, mais aussi autour des images. Donc, merci. Et puis c'est intéressant d'entendre les témoignages, on voit beaucoup avec les résidences d'écrivains. Ça permet aussi de montrer à un enfant qu'il peut écrire, qu'il peut se jeter dans l'écriture. Et parfois aussi, c'est pas forcément pour éditer un livre, mais rien que le plaisir de tracer des mots. Bien, c'est un plaisir parfois même charnel ou intellectuel qu'on peut ressentir et qui peut être très bien décrit par un écrivain. Donc ça n'aboutit pas forcément à une librairie, à un livre édité, mais rien que le plaisir d'écrire, c'est quelque chose de merveilleux. Oui, puis c'est peut-être un premier pas. Ensuite, plus tard, pourquoi pas, vers une carrière. Sylvie, le temps passe. 17h18 en direct sur cette télé du salon. Est-ce que c'est l'heure de la question Joker? Oui, c'est l'heure. Oui, malheureusement, c'est déjà l'heure de la question Joker. Mais c'est encore une façon, cette question, c'est encore une façon de parler de vous et de votre passion de la littérature. On a demandé à tous nos partenaires qui sont passés ici sur ce plateau de se réincarner ou d'endosser le costume d'un héros de littérature de jeunesse qui lui semblait vraiment important, emblématique. Voilà, donc on est passé Zazie, Pinocchio, Le Petit Poucet, Régine, vous avez choisi avec beaucoup d'audace Sophie, Des Malheurs de Sophie. Vous aviez envie de faire une bêtise, nous proposer une grande bêtise. Mais comme je vous l'ai dit, moi j'ai été très, très malheur de Sophie, très comtesse de Ségur. Enfin, je pense que c'est aussi une question de génération. Je trouve qu'elle avait quand même beaucoup de coups de fouet par sa belle-mère. Donc oui. C'est vrai que je ne l'aurais pas choisie du coup, à cause des coups de fouet. Mais bon, je crois que j'aimais sa malice en fait. Oui. Et puis sa résilience. C'est-à-dire qu'au fond, elle ne nous renvoyait pas quelque chose de forcément triste alors qu'elle n'était pas toujours très bien traitée. Voilà. Et quelque part, sa naïveté et sa joie de vivre malgré tout. Oui. Très bien. Et vous, Florence? Alors, je ne sais pas si c'est forcément de la littérature jeunesse. Je crois que ça n'a pas d'âge. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je voulais être Arsène Lupin. Après, j'ai voulu être juge, hein, comme quoi ça mène à tout. Mais d'ailleurs, à un moment, Arsène Lupin enquête. Hein, et il avait plusieurs étiquettes. Et j'aurais rêvé découvrir des secrets et des mystères comme dans L'Aiguille Creuse. Et je trouvais la vie d'Arsène Lupin absolument fabuleuse. Donc, c'est peut-être pas trop tard, non?
pour devenir Arsène Lupin. Alors, quand vous faites de la politique, dire que vous voulez être Arsène Lupin, ça peut être très mal interprété. Donc là, on va couper le micro. Alors, j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous, et peut-être l'apprendrez-vous, peut-être le savez-vous. Il se trouve que du fait de son adaptation à la télévision récemment, en série, Arsène Lupin est l'une des meilleures ventes de littérature de jeunesse cette année. Je crois bien que c'est la troisième ou la quatrième. Donc, c'est le grand retour d'Arsène Lupin. Voilà. Oui. C'est un des petits trucs de la littérature de jeunesse, du cinéma au livre, du livre au cinéma. C'est ce qui fait déjà l'importance de l'aller-retour entre les deux, de l'écrit à l'écran. Merci beaucoup. Voilà le mot de la fin. Bravo, Régine. Merci beaucoup, Régine Hatchfondo, présidente du Centre national du livre, et Florence Portelli. On va vous laisser partir, Florence Portelli, je le rappelle, vice-présidente de la région Île-de-France, chargée de la culture. Restez bien avec nous, parce que dans quelques minutes, on va retrouver... Restez avec nous, vous aurez le temps, tranquillement, de quitter le plateau. Dans quelques instants, on va retrouver Lucie Félix, la Grande Ours 2021, ici même sur ce plateau, pour une interview avec notre journaliste Raphaël Bott. Mais d'abord, et comme à chaque fois, on fête un anniversaire. Il y a le petit jingle et il y a le petit mot d'introduction de Sylvie. Et oui, et c'est les 90 ans du père Castor. Donc c'est un cadeau pour vous, Régine. C'est pas fait exprès, mais voilà. Bon anniversaire au père Castor. Un père, un grand-père, un arrière-grand-père de la littérature de jeunesse avec nous. Bon anniversaire. On regarde... Bonjour à tous, je suis Céline Dehaene, je suis la directrice de Flammarion Jeunesse. Cette année, on célèbre les 90 ans du père Castor. C'était l'occasion pour nous de nous replonger dans les formidables archives et dans l'histoire de cette collection du père Castor qui est née en 1931 et qui a complètement révolutionné l'histoire de l'édition jeunesse. En 1931, Paul Fauché crée l'album moderne, un album souple, pas cher, accessible à hauteur d'enfant. En s'associant à des artistes principalement de l'avant-garde d'Europe de l'Est pour créer des albums beaux qui stimulent la rêverie, l'imagination et l'intelligence des enfants. On a tous une histoire du père Castor dans le cœur, que ce soit la plus mignonne des petites souris, j'en ai choisi quelques-uns, Marlaguette, Mishka. Ça a été l'occasion pour nous, dans la façon dont on a construit notre catalogue de fin d'année, concevoir des ouvrages anniversaires pour célébrer cet anniversaire justement, avec notamment ce très bel album. Donc, Le Père Castor, un collector, les grandes histoires, qui propose 22 histoires cultes du catalogue Père Castor, dans un très bel album. Je vous montre. Les histoires sont proposées en version intégrale. Pour la plupart, avec des images qui ont été restaurées à partir des gouaches des années 30 et 40. Donc, très beau coffret qui présente l'essentiel des histoires patrimoniales du père Castor. Cet anniversaire, c'était aussi l'occasion, en s'appuyant sur les bases de notre catalogue, d'innover, notamment autour de l'imagier du père Castor, qui est également un pilier de notre catalogue, en proposant des déclinaisons de cet imagier dans des formats géants, et en s'associant à une illustratrice contemporaine de grand talent, Adeline Ruel, qui, sur les parties prises de l'imagier du père Castor, nous a conçu cette imagier magnifique. Donc un mot, une image, hein, l'apprentissage du langage dès 12 mois, autour des couleurs. Hein. Donc les animaux sont groupés par couleurs. Dans ce grand imagier spectaculaire, sur lequel les enfants peuvent s'allonger avec leurs parents pour découvrir les mots et les images, et ainsi le monde qui les entoure. Dernier projet autour de cet anniversaire qu'on a choisi de vous montrer, c'est l'association autour d'auteurs et d'illustrateurs contemporains qui font le père Castor d'aujourd'hui. On a eu le très grand plaisir d'accueillir cette année Agnès Ledig, autrice de littérature jeunesse, et Frédéric Pilot, grand illustrateur de jeunesse également, dans cette réécriture, cette revisite du Petit Pousset, conte fondateur de l'enfance, où Agnès Ledig réinterprète, s'est réemparée de cette histoire en y proposant sa patte, son écriture, avec une alternance de réécriture en rime et de prose, dans laquelle, à sa façon, avec beaucoup de sensibilité, elle s'empare des différents personnages qui prennent la parole.
Et Frédéric Pilot a conçu une image, un déroulé spectaculaire de cette histoire du petit Pousset, qui renouvelle complètement finalement l'histoire, qui la montre sous un autre jour. Voilà l'ocre et les petits poussets dans ce grand album, donc signé par Castor, et qu'on propose en cette fin d'année dans le cadre de l'anniversaire. 17h25 sur la télé du salon. On est en direct toujours depuis Montreuil en Seine-Saint-Denis. Pour en avoir la preuve, on va aller faire un tour du côté de Thomas Basse qui continue, je crois. Ah non, on est passé à un autre dessin. Tout à l'heure, on était sur l'architecture de la ville. Oui, est-ce qu'on peut le revoir? Vous l'avez sous le coude? Voilà, on va jeter un œil. Waouh, que c'est beau, avec la petite affiche où on reconnaît le chat. C'est bien ça? Le chat et un chien, voilà. Voilà, l'affiche, évidemment, de cette 37e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Merci, Thomas Basse, d'être avec nous. On vous laisse continuer à travailler. Comme promis, on reçoit sur ce plateau Lucie Félix, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. La Grande Ours 2021. Lucie Félix, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est donc vous qui avez remporté cette distinction, la Grande Ours 2021. Vous avez seulement 36 ans, si je dis pas... 38, il y a aussi... Ça aussi, d'accord. C'était pas à jour. Je me dois de la corriger. Cet album, c'est correct ou pas? Cet oui, album, c'est ça, c'est voilà. Bon. Seulement cet album, on va dire, est déjà une référence donc dans la littérature jeunesse, puisque c'est bien l'objectif hein, de cette distinction remise par le salon, cette Grande Ours qui a été créée en 2019. Vous succédez à Gilles Bachelet et à Marie Desplechin. Avant d'avoir votre réaction, on va quand même dire un petit coucou à Raphaël Botte qui est avec nous. Bonsoir Raphaël. Vous voulez, bonjour. Mais bonjour oui, avec grand plaisir, parce que c'est avec vous qu'on va se plonger dans l'univers de Lucie Félix. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisée dans la littérature jeunesse. Raphaël, Lucie Félix, ça fait quoi d'être Grande Ours 2021? Je ne suis pas encore bien sûre. Je suis encore un peu sonnée. C'est une énorme surprise, hein, je pense, comme pour tout le monde. Donc, ça représente quoi, ce ça prix représente, ça représente, je ne sais pas, une confiance qu'on m'accorde. Si je me rends compte d'une grande... comment dire, une grande similitude d'intention et avec l'équipe du salon. Donc, voilà, moi je suis ravie de la possibilité de rencontrer ces gens, vous voyez, moi je pense en particulier à l'équipe des Livres à Soi, dont je suis le travail depuis un moment sur les différents médias. Et là, ça y est, je les rencontre et ça signifie des rencontres, principalement. Mais qui êtes-vous, Lucie Félix, et que faites-vous comme livre pour en parler? On va faire le point avec vous, Raphaël. On va se plonger dans votre univers, Lucie Félix. On va essayer rapidement, en tous les cas. Mais symboliquement, je trouve ça très beau de finir cette série d'entretiens d'auteurs avec vous, Lucie. Parce que, quelque part, ça veut dire aussi que tout va recommencer, puisque vous concentrez votre travail sur l'accès aux livres et aux histoires avec les tout-petits. On en a un petit peu discuté avant cette émission toutes les deux, et je me suis permise de garder une phrase que vous m'aviez dite. Mon public, c'est les tout-petits, je veux réussir à créer un moment. Qu'est-ce que c'est ce moment? Qu'est-ce que vous entendez par ce mot? Oui, j'entends que je me remets volontiers dans l'état d'esprit dans lequel j'étais petite, et que la lecture, c'était clairement un moment avec mes parents, en fait, avec mon frère. J'ai deux frères, il y en a un qui n'était pas encore né. Mais oui, c'était ça, c'était ce moment où on avait nos parents pour nous, et ils nous racontaient des histoires, des fois la même pendant un mois. Mais bon, enfin voilà, et pour moi, ça vient vraiment de ça. Et je me dis que si je peux favoriser par un objet comme le livre ce genre de moments précieux, c'est super. Alors ce qu'on peut dire, c'est que c'est des livres, et c'est presque plus que des livres. Hein, on va essayer justement de décrypter un petit peu ça ensemble. C'est une vaste tâche que de présenter votre approche comme ça si rapidement. Alors moi aussi, je vais m'intéresser à des moments que vous créez avec vos livres, notamment là avec la promenade du petit bonhomme, puisque c'est la main du lecteur qui raconte l'histoire.
d'en prendre et donner, eh bien c'est carrément des morceaux du livre de chaque page tournée. Donc ça, c'est un autre ouvrage. Pardon, je cavale pour qu'on puisse parler d'un maximum de livres en si peu de temps. Et puis, donc là, si Cédric, vous y arrivez, vous pouvez enlever ce... Ah oui, alors je vais y arriver. Je vais poser le micro. Voilà, ça sera plus simple. Cette pièce rouge, voilà, c'est pour vous montrer à quel point on peut manipuler les livres de Lucie. Donc là, on détache. Alors, c'est un livre tout neuf, donc peut-être que c'est un petit peu plus difficile. Voilà, on tourne les pages et ça crée une surprise à chaque fois. Et puis, moi, je continue avec Coucou, qui est aussi un objet très particulier. Voilà, juste là, et qui, pareil, on voit qu'on tourne les pages différemment. Bah, c'est Lucie qui valide. J'essaye d'être à la hauteur. Mais voilà. Et puis il y a Ricky aussi, donc qu'on touche, qu'on déplace. Alors en gros, le carton s'épaissit, les formes changent, on s'empare des livres de façon différente à chaque fois. Et souvent, c'est vrai que quand on parle de vos livres, on entend un terme qui revient tout le temps, c'est le fameux livre-objet. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous mettez comme définition derrière ce mot un peu technique ? Oui, ça me va bien, livre-objet. Ou livre-jeu aussi, j'aime bien. J'ai l'idée qu'un enfant peut s'approprier vraiment ces objets-là. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit des livres à manipuler pour ça. Hein. Ça marche très bien avec des albums tout à fait beaucoup plus classiques. Il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien... J'ai toujours aimé les jeux, vous voyez, les cubes, les jeux de construction, des choses comme ça. En fait... Avant finalement d'aimer les livres en soi, quoi. Après, le livre est venu, voilà, déjà, je pense, parce que ça crée une relation intéressante. Et puis plus tard, en grandissant, bah, on rentre dans les idées, on rentre vraiment dans des choses plus intellectuelles avec la lecture. Mais pour revenir à mon enfance, oui, moi, j'aimais beaucoup bricoler, vous voyez ce que je veux dire, bidouiller. Et donc, je me sens plus proche de cette... De cette notion de manipulation d'objets et de jeux, comme vous disiez. Ouais. Ouais. Et la petite magie, elle est aussi saupoudrée de beaucoup d'humour et de poésie. Je vais vous citer par exemple dans Deux yeux, qui est ici aussi. J'ai dessiné 8 formes bleues, j'ai percé la feuille de papier et la pluie s'est mise à tomber. Donc là, on a envie de vous imaginer en train de créer vos livres, et je me demandais quels objets vous aviez forcément à côté de vous. Est-ce que là, il y avait des ciseaux ? Est-ce que vous-même, vous manipulez ? Alors, en fait, bizarrement, il y a l'outil informatique, je trouve. Non, mais en fait, j'en parle parce que ça permet des choses que ne permettent pas les ciseaux et les papiers, en fait. Donc, par exemple, dans le cadre de ce livre, vous voyez, des intersections entre des formes. Ça, c'est l'outil informatique qui le permet. Je prends ça, bien sûr, on va parler de ça. Mais si vous voulez, attendez, je vais m'en occuper parce qu'il paraît que je fais ça pas trop mal. Oui, c'était bien. Vous voulez que je le fasse comme Je vais ça, juste vous mettre à la bonne page. Ah, super. Hop là, c'est Deux yeux. Hein. C'est ça, c'est votre album que vous avez signé en 2012. Si vous revenez à la page d'avant, vous voyez, on a des ovales. Et quand on tourne la page, on a une intersection entre ces ovales qui donne des pétales. Ça, avec du papier, ça ne se peut pas. Donc c'est grâce vraiment à l'outil informatique que je suis tombée sur cette espèce d'accident. Voilà, il y a ça. Et puis après, quand même pas mal de moments de visualiser dans ma tête. De bidouille, un peu. Non, aussi de visualiser dans ma tête le truc, qu'est-ce que ça va faire. Et vous expliquez aussi que mener des ateliers, notamment dans les crèches, dans les classes de maternelle, ça fait aussi complètement partie de votre métier d'autrice. Vous pouvez nous dire quelques mots de entièrement, cette activité-là. Oui, ça, c'est vraiment quelque chose qui a transformé ma manière de... Ça, c'était mon premier livre, ce qu'on vient de voir, Deux yeux. Donc, il restait quand même un livre qui était quand même un livre avec des pages qui se tournent. Et voilà. Après, en allant avec les enfants dans les classes, je me suis rendu compte à quel point quand même j'étais loin des problématiques de l'école, par exemple, puisque j'étais envoyée dans des maternelles.
loin de me rendre compte de ce dont était capable un enfant, vous voyez, de petite section. J'arrive avec des ateliers qui consistaient à découper des formes. Évidemment, petite section, c'est vraiment, ça ne leur procure aucun plaisir parce qu'ils sont en train d'apprendre ça. Donc, ce n'est pas à moi de leur apprendre à découper. Donc là, on arrive au moment où je me suis dit, bon, alors, sérieusement, renseigne-toi un petit peu. Donc, j'ai commencé à lire de la psychologie, par exemple, des neurosciences, des choses comme ça. Bon, je me suis intéressée. C'est vraiment très intéressant, en fait. Hein, C'est l'occasion de préciser que vous êtes scientifique, hein, de formation. Alors, de formation. Hein, j'ai jamais exercé de métier scientifique, mais j'ai passé un master en biologie, oui. Donc, effectivement, j'aime bien lire de la science, en fait, sur tout ça. Et après, de passer des moments très empiriques, en fait, hein, avec les enfants. Je vais les observer, je vais proposer des choses et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas dans l'interaction, en les laissant le plus possible indépendants. Et comme ça, on a pu se rendre compte un petit peu là ce soir et brièvement en touchant et en manipulant un petit peu vos livres. J'ai essayé de vous montrer en tous les cas que c'était des livres dans lesquels il y avait beaucoup d'action, autant pour l'adulte, le médiateur, que l'enfant. Alors je me suis permis de faire une petite liste de verbes qui m'ont été inspirés par la déambulation dans vos livres. Je vous laisse en choisir un parmi cette liste pour conclure celui qui vous semble, je sais pas, le plus juste ou qui rime le mieux avec la... Un seul entre... Oui. Ce sera joué. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que dans l'enfance, on peut traverser des moments difficiles. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une enfance tout à fait agréable. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde. L'enfance, déjà, le jeu, ça reste un moyen de découverte, un moyen d'apprentissage pour les enfants. Donc, c'est quand même dommage de ne pas se servir de cette espèce d'aptitude naturelle des enfants. Et puis, j'ai l'impression que malgré ce qu'ils vont pouvoir traverser, malgré les difficultés, l'envie d'apprendre, elle est énorme. Et donc, pareil, je pense que dans tout un tas de contextes, on peut vraiment se compter sur eux, en fait, pour se sortir de certains mauvais pas, quoi. Jouer le jeu, c'est vraiment le maître mot, en effet. Exactement. On vous invite à vous plonger dans les albums de Lucie Félix. Deux yeux, on en a parlé tout à l'heure, c'était le premier qui est sorti en 2012. Le dernier en date, si je n'ai pas de bêtises, c'est Ariki, c'était en 2019. Il y en a un autre qui est en préparation, qui est peut-être déjà terminé, mais qui va sortir au mois d'avril 2022, qui s'appelle Le Nini. Voilà, et on précise à Lucie Félix que vos ouvrages sont publiés aux éditions des grandes personnes. Merci beaucoup, Lucie Félix. Merci à vous. Grand Ours 2021, bravo donc pour ce prix. Merci beaucoup à Raphaël Bott, notre journaliste, qui nous a accompagnés tout au long de cette semaine dans ces directs. On va remercier également notre illustrateur, Thomas Basse, qui rend un petit hommage à Lucie Félix. Waouh, merci, c'est génial. C'est ça, Thomas ? Exactement. Ah, il est trop beau. Voilà. Vous avez vu, j'ai compris, j'ai réussi à lire. Il y a marqué Lucie Félix. Voilà. Thomas Basse, on vous remercie. On signale vos titres. Du voyage, gros bec, mais à quoi sert la Tour Eiffel ? Voilà, trois titres que vous avez illustrés. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Dans quelques instants sur la télé du salon, c'est pas terminé, hein, ça dure jusqu'à 20h ce soir. Vous avez rendez-vous avec un zeste de pépite, votre moment en lecture. Et puis également l'agité, l'autre JT dans quelques minutes. Merci et bonne télé du salon encore pendant quelques heures.